Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est le tueur et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon, donc le 1. Et on va, je vais vous présenter un peu mes véhicules et puis on va les tester, peut-être des petites courses et tout. Donc là, je vais mettre mon casque, donc si vous m'entendez mal, je suis vraiment désolée, donc j'ai essayé de vous mettre un peu de son dans la télé, mais moi j'ai du son à fond dans le casque, donc voilà, vraiment désolée si vous entendez pas. Là. Petit générique qui est juste magnifique. Excusez-moi. Désolé si vous entendez le bruit du ventilo aussi. Voilà, vraiment désolé. Ici, également, vous entendez des bruits d'enfants. Excusez-moi aussi. Donc, c'est parti. On va commencer. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Donc, attendez, pour que moi, dans les nuages, rapprocher ça. Voilà, excusez-moi. Je fais ça et on va faire tac. Voilà. Petit chargement pour charger le jeu. Et voilà. Continue. Ah, attendez, excusez-moi, il me propose de télécharger quelque chose. Bah c'est gratuit. Ah bah on peut pas. Donc là j'étais qu'une petite voiture que je venais de gagner je crois. Mais attends, des cartes. Faites voir. Ah il y a des nouveaux événements. Oui, il y en a des nouveaux. Oui, là, tout ce que les trucs jaunes où il y a des trucs et des coupes, c'est que j'ai déjà tout fini les courses. J'ai fini en fait, j'ai le bracelet argent. Et d'ailleurs, je vais me TP directement. Au garage de Dark. Ah non, attendez. Non, c'est plutôt ça. Voilà. En fait, quand c'est le milieu de la carte, eh ben, on peut se TP. C'est un peu cheaté, ouais, je sais. Mais sinon, ça coûte. Si on peut, des fois, on peut ailleurs. Donc, c'est une voiture magnifique, je trouve. On va la tuner. Trésor de grange. Ah oui. Des trésors de grange. Une voiture que j'ai trouvée dans des trésors. Magnifique. On va prendre celle-ci. Hop. En fait, si vous voulez, je vous montrerai. Je crois qu'il y aura un, je sais plus. C'est des trésors, voilà, qui sont cachés. Comme ça, c'est des voitures, des vieilles ruines. Donc voilà, elle est assez jolie quand même dans l'ensemble, j'aime bien. Donc nouveau jeu sur ma chaîne, hein, que je vais maintenant régulièrement faire je pense. Donc ça prend un peu de temps à démarrer, désolé. Allez go! On va aller là, bah, la tuner hein. Auto. Allez, allez, allez. R2, c'est pas mal ça. Quand on a plus de 2 millions, c'est bon. Donc ouais, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai autant d'argent, c'est que j'ai tout simplement fini le jeu. Vous, je crois que vous entendez rien du tout, désolé. Amélioration perso. Voilà. Type de gomme. Pas spécial.
C'est fait pour les courses de rallye. Oh bah non, on va pas la mettre. Hein. Largeur. Style de jante Advan, il en avait pas mal. Celle-ci. Elle est trop belle. En noir, elle est magnifique. Moteur. Toujours regarder ça. Normalement, c'est tout mis. Donc là. Un jeu de ressorts et d'amortisseurs spécial conçu pour les courses de rallye. Ah ouais, en fait, il y a des pièces pour les trucs de rallye. On va en faire une de rallye après, avec ces pièces-là. Ne vous inquiétez pas. Normalement, ça, je sais pas. Donc, non. Différentiel. Normalement, voilà. C'est ça qui fait tout changer. Il y a de R2, R1. Donc, c'est juste magnifique. Donc là, on va continuer. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Ok. Maintenant, on va aller pour la peindre. Et c'est go pour la peindre. Qu'elles ont mes touches. Wow, calme le son. Donc là. Wow, comme démarre. Doucement, doucement. D'accord. Créateur de lignes. Peindre en voiture. Peindre la carrosserie. On va mettre en quelle couleur elle métallisée. J'aimerais bien mettre du noir, peut-être mettre du mat. Bleu mat, marron peut-être aussi. Comme ça, non. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'elle est pas mal, non? Elle était déjà. Ouh, comme ça. Comme ça, elle est bien. C'est quoi? On va mettre à peu près de la même couleur. Comme ça, voilà. Noir, aileron, ok. Et là, les jantes. Noir, magnifique en noir. Et non. Spécial. Rester sur du mat noir, voilà, parfait. Être teinté en noir et c'est bon pour la couleur. Donc j'espère qu'elle vous plaira cette voiture, enfin aussi la couleur. Puis bah je pense que ça va être une vidéo un petit peu longue parce qu'on va faire plusieurs choses. Ah oui, donc là on va ajouter une forme de voilà machin. Donc là ça s'affiche pas encore, voilà. Comme ça, parfait.
Marchand carrière. Attendez. Ah, attendez. Mais sinon, attendez, il y avait. Ah ouais, d'accord. J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça aussi. Pas mal, pas mal. Où y a-t-il? Pas ça, rien. Oh oui! Oh, c'est beau! Oh, c'est magnifique! Ok. Non? Oh non, j'ai quitté quel coin. Pardon. J'ai quitté. Non! Tiens, de quel coin? Ah, c'est bon. Et du coup, j'ai pas ajouté. Là, on va ajouter. On va ajouter un petit ori. Non. Discret. Sur le tour, on va mettre quoi? Un truc sympa BBS, voilà, ça c'est la classe. Si on va mettre, changer. Copier. Ok, d'accord, ok. Donc là on va mettre. Non, on va mettre. Si, c'est stylé. En pareil de l'autre côté, on va mettre noir. Et on va y mettre. Comme ça, attendez. Ça ressemble plus à rien là. Comme ça fait stylé, donc on va laisser comme ça par choc avant, et là on va mettre un truc non stylé Bugatti. Donc on a là tac tac, c'est bon. Donc on a terminé de mettre les autocollants, donc on a terminé cette voiture. Donc on va en refaire une là de rallye, donc on va la tester un peu celle-là, puis après on ira faire une autre de rallye. Juste je vais vous montrer les voitures que j'ai. Je me suis amusée à faire la coccinelle, une Ford, Audi, Chevrolet, Blumond, Mercedes-Benz, Ferrari, Shelby, Lamborghini, Jaguar, Peugeot. Ah c'est celle-là de rallye, faut que je la fasse piloter voiture. Ouais. C'est celle-ci que je vais faire de rallye avec les nouvelles pièces qui viennent de sortir. Je pense que c'est comme un DLC. J'ai fait une mise à jour au début. Je pense que c'est pas pour rien. Ah merde, c'est pas là-dessus qu'il faut faire. Par contre, le capot. Ok, bleu, mais le capot, pas comme ça, c'est moche. Quelle couleur? En bleu c'était bien quand même. Dans le lieu c'est en gris. Les voitures sont souvent en gris comme ça de rallye. Et les capots noir. Parfait. Noir. Noir. Ok. Un peu foncé comme ça, ça rappelle. Et on n'a pas mis de décor sur cette voiture, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ajouter. De quel col, ok. Attendez. Excusez-moi, c'est important.
excusez-moi. Excusez-moi. On continue tout de suite. Ah oui, j'en avais déjà mis un là, d'accord. Là, j'avais rien mis. Non, non. On va ajouter Bassarena, non, on va le mettre ailleurs. Non, pas celui-là. Le joue. Ouais, stylé. Comme ça, voilà, parfait. Sur le bord, on va mettre ajouter des clous machin là. Ouais, on voit rien, c'est parce que c'est sur les lampes. Sur le toit là, on va mettre. Ah non, bah ça rien, on va le mettre devant. Non, non. On va juste mettre BBS comme l'autre. Parce que c'est stylé sur le toit, BBS. Voilà. Et là, on va mettre. Ça. Stylé. C'est là qu'on va mettre le Bassarena. Trop stylé d'ailleurs. Donc voilà. Après, on ira mettre les pièces de rallye pour faire vraiment la voiture rallye française un peu. La mienne, hein, bien sûr. Il y en a qui vont me dire que c'est pas du tout ça. Donc, je tiens à préciser que c'est à la mienne. Voilà. En tout cas, je trouve cette voiture stylée. Vous m'en direz ce que vous en pensez à la fin. Je crois que j'ai pas changé les jantes aussi. Je sais pas trop ce que j'ai fait avec cette voiture. Et puis voilà. Ouais. Ok, allez, go. Faut l'atelier. Bon, déjà, elle pousse un. Dérapage. Comme ça, je sais pas, je suis pas bien, merci. Et toi? Boulot, business, business. Ouh, elle est belle. C'est quoi? C'est... Ah ouais, c'est une Ford. Ah ouais, jolie, jolie. Pas mal, pas mal. Ah, mais j'avais rien tuné sur cette voiture. En fait, je l'avais pas tuné. Ah si, mais en fait j'avais pas mis ça pour garder l'aspect de course qu'elle avait, ouais d'accord. Voilà, extension de rallye. Acheter un poste. What? C'est quoi ça? Oh, non, non, c'est quoi ça? Non, non, non. Ah non, mais d'accord, c'est un machin sur le marché, d'accord, je comprends mieux. Jante. Je pense qu'on va mettre des bébés. Non, ça c'est moche. Vous voyez, il y a plus une lisse qui est là, c'est magnifique. Le D-Club. Interline, c'est quoi ça? Oh, c'est mieux ça. La première, elle était pas mal. Elle... Non, elle est moche en fait. Je vais pas regarder. Ça, c'est quoi ça? Ça, elle est pas mal. Taille des jantes. Non, non, les jantes, elles sont énormes. Elles sont petites, les jantes. J'aime bien les grosses jantes, moi. J'adore le moteur. Je pense que l'autre truc de rallye aussi. Ah bah j'achète ça volontiers. Ah, de là,
faire vos courses, pas mal. Refroidissement. Ok. Frein. Attendez. Ah oui. Un jeu de ressort. Bon, c'est pas vrai. Tac. Tac. Ça renforce le corps. Embrayage. Boîte de vitesse spéciale conçue pour les courses de rallye. D'accord, c'est pareil. Ok, bon bah voilà, on a fini de tuner cette voiture. En fait, je l'avais déjà dans mon garage, donc ça a été très rapide. Je pense qu'on va aller en acheter une sur le site où on va en essayer. Déjà, on va... Là, on a un peu vu ce qu'elle valait. Je vais vous faire essayer une voiture qui pousse. Enfin, vous faire essayer. Montrer une voiture vraiment qui pousse. Donc ça, c'est la voiture qui pousse le plus. Pas très intéressante. Plus intéressante, c'est celles qui sont ici, là, dans mes yeux. Perso, je kiffe cette ruffe. Ah, celle-ci, c'est là. C'est la voiture du jeu. Faut que je vous la montre. C'est celle-ci la plus belle du jeu. Piloter voiture. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique, cette voiture. On peut encore l'améliorer, et oui. Je pense que j'ai foutu avec mes voitures, je crois que je les ai pas améliorées. C'est quoi de ça? Que j'ai un gros coup de cœur sur cette voiture, elle est juste magnifique, quoi. Si on achète. Ah non, j'avais dit que je la laissais comme ça, oui, pour la garder. Enfin bref, hein. Écoute. Non, ça fait moche. Je veux la laisser comme ça, c'est tout. Elle est belle, j'entends, en tout cas, je trouve. Moi, ce qui m'intéresse, voilà. Même si ça améliore pas le truc, j'adore les jantes larges. Non. Allez, au hasard, tac. Non, c'est horrible. On va laisser les jantes d'origine. Je regarde au cas où, il y a un truc qui n'est pas bien, enfin un truc qui n'est pas mis en tout cas. Parce que des fois ça arrive. Dans l'amélioration générale, il n'y avait pas certaines pièces. En tout cas, ça arrive pratiquement tout le temps. Là, c'est mon chemin à vie. Donc là, non, il n'y a pas eu de problème. Et là, aspiration, puissance. Ok, donc non, ça c'est ça le meilleur. Bon bah on sort de ce garage. La couleur, je la laisse comme ça parce que c'est comme ça que je l'aime cette voiture. Puis bah go pour l'essayer. Vous voyez, c'est elle qui est à peu près à peu près partout dans les génériques. Elle est juste magnifique. C'est une hot dog, je crois. Donc voilà. Nombre de pagnottes 175 valeur des pièces dans le garage, d'accord. Bah allez go. Oh calme. Calme-toi. Vraiment pas mal cette voiture. Est-ce qu'on peut se mettre à la première? Ah non, mince. Attendez, comment je range la vue? Excusez-moi. Ah oui, tiens, on va faire une petite photo, écoutez. Prends une photo, c'est tout. On va prendre une photo. Là. Couverture. D'accord, c'est contraste. Couleur. Plus de couleur. Moins de luminosité. Ah si. S'il y a trop de couleurs, sinon plus de luminosité.
Mais sinon, ça fait triste après. Vignette. Ouais, donc. Oh, calme. Merde, attendez. Prends vite la photo là. Hop. Voilà. C'est bon. Désolé, ça a été un peu long. Sauvegarder. Donc là, la photo là. Allez, go. On va sortir de ce mode photo. Et juste, il n'y a pas option. Mais quoi, il n'y a même pas option. Comment on change de vue là? Ah, c'est comme ça. Wow. Oh, calme. Toi, je vais faire une course. On peut faire des courses aussi avec des concurrents comme lui, par exemple. Juste que je le rattrape. Mais il est pas assez puissant que sa voiture à lui. On va laisser tomber lui. Vous voyez ce qu'elle vaut en ligne droite. Donc ça fait longtemps que j'ai pas joué, désolé si je joue quand même une merde. Wow. Je l'ai dégomme-gomme. Oh, traction avant. Je t'ai grillé mon frère. D'où tu veux me dépasser, toi dégage. Je vais rattraper eux là. Oh non. Devant là, je vais le rattraper. Celui qui après suit devant. Je me comprends. Pas lui, l'autre. Je sais pas ce qu'il va valoir, l'autre. Il a l'air de pousser quand même. Ouais, c'est facile. Une Chevrolet classe A, j'ai une classe R2. Magnifique. Il est où? Je suis deuxième, comment ça je suis deuxième, c'est quoi de ça? Il est où le gars? Mais... ils disent que je suis deuxième, il est où le gars? Mais c'est vrai, il est où le gars? D'accord, ça doit être un bug, hein. Bon, ok. Bon, comment on fait pour revenir en arrière? Ah oui, voilà. Bon, on n'a rien vu, hein. On bobine plus. On va prendre ici. Là, tu te calmes déjà. Là, tu te calmes. Là, tu te calmes. Tu te calmes, Josie. Ah, c'est bon, je suis premier. C'était un petit bug. L'autre, apparemment, il a pas envie de faire la course, hein. Je sais pas où il est passé. Wow. Calme. Elle est trop belle, cette voiture. On vit vraiment comme une merde. Donc mon but n'est pas de casser ma voiture, hein, forcément. Tout c'est des joueurs. Mais ça les marque pas puisque je fais une course. Oh, c'est horrible comme ça. On va tenter quand même. C'est une course facile, donc ça devrait aller. J'étais super fort à ce jeu là. Je touchais aucun mur, je faisais des gros dérapages comme celui-là. Là. Des gros, des beaux, je veux dire. Hop là, petit dérapage pour la fin. Yes, papa. Magnifique. Ça donne un petit peu d'argent, donc voilà, tranquille. Donc l'autre, je sais pas où il était, apparemment, je crois qu'il faisait pas la course. Il y a du... C'est quoi ça? Cette finalité. Ok, il continue. Là, il est où la télévision? Ah oui, mais c'est le... D'accord. Je vois. Moi j'ai un problème avec ma Xbox là. Je sais pas ce qu'il y a, regardez ce que ça va me mettre.
Ah si, c'est bon, ça commence. Extension du jeu. Bien, parfait, téléchargement actif. Bon, bah, écoutez. Et normalement... Normalement, ça va l'afficher téléchargement actif. Hein? Attends, si tu veux. Téléchargement, d'accord. Ouais, mais j'ai déjà fait. Comment ça se passe? C'est en train, apparemment. Ouais, c'est en train. Il sait quoi là, regardez. Il sait du téléchargement des données. Voilà, voilà, c'est chiant ça. Je sais pas ce qui se passe. Vous voulez voir un pilote? Plutôt un mauvais pilote. Vous serez servi. Aïe. Coucou toi. Quelle voiture de merde, allez, bye. Ouais. Ah non, dommage, trop loin. On voit rien en plus là dans la voiture. Les anneaux de sécurité. Ok, où je me retourne pour pas me faire écraser. Oh, calme, calme, calme. J'ai pas compris. On va faire une petite course, si vous me permettez. Pour vous, hein. On va la faire en vue de volant, je pense. Enfin, en vue de volant, vous m'avez compris. Ferrari. Ah oui, merde. D'accord, je dois choisir une autre sympa. Je vais choisir elle, mais elle est trop puissante. Ouais, elle était trop puissante, donc on l'a fait baisser un peu. Après, je vais remonter automatiquement. Ok, bah let's go. Normalement, c'est une petite course comme ça de Ferrari. Normalement, j'arrive premier. Hein. Comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, difficulté. Donc ça, c'est bon. Donc la course avec Aurel, si vous avez vu les vidéos juste avant, ben, il n'y avait pas les freins dans les virages, c'est pour ça que je galérais un peu. Ne vous inquiétez pas, sinon je suis assez fort. Ah, là, on y voit mieux. Ça, c'est de la Ferrari. Que de poisson. Ah, bye. Hey. Là, je me reconnais. Wow, magnifique. Et je gère, là. Je commence à gérer. Décapitulage. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a de double haut? C'est moi qui veux le doubler. Dégage. Troisième. Oula, je fais un peu n'importe quoi. Garcia. Dégage-toi. Ouh, je suis devant une trace. Hein. C'est dans les virages que je peux les bouffer. Parce que là, j'ai fait une impe. Ça, il m'a pas doublé l'autre. Ah non, intérieur ça passe pas. On reprend l'extérieur, intérieur. Ouh, la vitesse que j'avais quand j'ai doublé. C'est magnifique en vue comme ça la course. Hein. Oh le dérapage. Donc vous voyez des pourcents. En fait, c'est quand j'arriverai à 100%, ça sera tout simplement la fin de cette course. En fait, soit c'est plusieurs tours, soit c'est un point à l'autre. Donc, on peut le voir au début, mais j'ai pas pensé à vous le dire. Oh, joli.
me fait peur là. Ça finit par du rallye. Elle n'est pas trop faite pour cette voiture. Mais ça va. Mes gants, je trouve trop stylé, donc on ne peut pas personnaliser notre avatar. Hein. Pas sur ce jeu en tout cas. Dommage. Volant de Ferrari, là, ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein. Aïe 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 aïe. Bah attendez, excusez-moi, je reviens en arrière. C'est pas possible, à la fin de la course, là, j'ai dû me faire humilier. Donc ça, je le fais jamais, hein, si vous me demandez. Juste là, c'était injuste, il y avait un mur comme ça. Il aurait pas dû être là, ouais. Hop, le petit dérapage de la forme, magnifique. Reste de la course, parce qu'ils étaient pas loin derrière, hein. Ouais, mais ils étaient dans la même seconde que moi. Même classe que moi en plus. Bon bah nickel. Hein. Écoutez, je vous propose de refaire une petite course avant de nous quitter. Ouais, je te surprends, chef. Direction de course. Ok, bon, bah, go, c'est parti. Je savais pas ce que c'était, ça. En tout cas, Yumi, c'est parti. Désolé si cette vidéo est un peu longue, c'était long à démarrer au début. Je suis vraiment désolée. Puis, ouais, j'ai oublié de vous dire, hein, prendre des petits pop-corn tranquillou. Quand vous vous posez tranquille, commencez Rivo. Merde, mais je vous passe cette caisse pour battre le Rivo, moi. Ah ouais, c'est un fantôme en fait, d'accord. C'est un temps à battre pour voir comment je suis. Je vais mettre un fantôme à la place. Oui, mais attends, quelle classe sa bagnole? C'est quoi de ça? Mais alors, quelle classe sa bagnole? Ouais, joli! Oh, magnifique! Ah oui, il prend tout en dérapage, le mec, c'est genre, comme Slarak, là. Ceux qui savent pas quand, ce que ça veut dire quand Slarak, c'est Slarak, c'est se la péter. Parce qu'il y avait des gens qui connaissaient pas. Faut que je le rattrape, là, mais il va vite, hein. Ouais, c'est un gros rival, lui, hein. En accélérant, c'est mon seul moyen de le rattraper. Ça, ouais, il a quoi? Vous avez vu sa bagnole là, comme elle pousse? La pente elle glisse là, mais non. Et à peine je pars, hop là, ça part en cacahuète. Franchement, je me retrouve en vent de Ferrari là, magnifique. Attendez. Il s'est planté, allez, go, 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 go. Oui, il m'a déjà doublé, c'est quoi ça? Oh non. Vous avez vu sa bagnole, comme elle pousse aussi? Il dérapage les faits comme une nargue. Ouais, en fait, je crois que c'est des temps de gens, de vrais gens, ou du jeu. Vu comme il s'est planté, un jeu, il ferait pas ça. Un ordinateur ne se planterait pas comme ça. Donc c'est forcément un joueur. En tout cas, on est bon, il est derrière nous. Oh oui, j'ai pas vu cette arrivée. Oh oui, je l'ai battu. Oh oui, magnifique. 2-18, 2-20. Oh là là, magnifique. Oh là là. Thank you. Pour ceux qui n'ont pas entendu, elle dit t'es... Encore un super résultat. Une bonne voie. Non. Donc je pense qu'on va arrêter cette vidéo là. Pas que ça vous fasse trop long. Ok, j'adore cette Ford qui est devant mes yeux. Et puis bah je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye.